Comment allez-vous? L'idée, ça a germé avec la commune de Poissy qui souhaitait casser un peu l'isolement des personnes âgées. C'est la fondation PSA qui nous a fourni le véhicule et qui nous a permis de faire cette opération-là. On va accompagner la personne jusque chez le médecin et on va la raccompagner jusque chez elle. On peut les emmener chez le coiffeur, chez le dentiste, à la banque. Donc c'est vraiment un service qui est très large. Mon époux, ça fait un an qu'il a eu son problème, qu'il est tombé. On ne pourrait plus rien faire autrement. Hein. D'abord, on leur rend service à ces personnes. Et ensuite, elles aiment bien parler un petit peu de choses et d'autres, mais disons qu'on est un petit peu leur confident. On personnalise au maximum le déplacement. On a la satisfaction de rendre service, mais aussi la satisfaction de créer des liens. C'est lutter contre l'isolement, c'est-à-dire que ça permet de rapprocher les personnes, des personnes qui ne sortaient plus de chez elles. Merci beaucoup et à la prochaine. C'est vraiment un bénévolat enrichissant. Moi, je rentre chez moi après mon après-midi de transport. Je suis heureuse, voilà, tout simplement.